Le Premier ministre Nadel Arbaoui a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement consacrée au parachèvement de l'avant-projet de loi sur la protection des personnes âgées dans le cadre des directives du président de la République relatives au renforcement du rôle économique de l'université et à la confirmation de son ouverture sur l'environnement économique. Lors de cette réunion, il a été également question de l'examen d'un projet de décret exécutif définissant les modalités d'exercice des activités par les titulaires d'un doctorat non rémunéré pour les activités de recherche dans le cadre de relations contractuelles en vue d'améliorer la qualité de la recherche, notamment dans les domaines prioritaires tels que la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire et hydrique et la cybersécurité. Le gouvernement a également écouté des exposés sur l'état d'avancement de la réalisation des projets, notamment la construction de l'autoroute Est-Ouest, la construction du barrage de Jadra dans la wilaya de Soukharas, dont l'achèvement est prévu pour la fin de l'année en cours, ainsi que des installations et infrastructures sportives. Le Premier ministre Nadel Arbaoui a donc présidé aujourd'hui les travaux de la 189e session du Conseil de participation de l'État qui s'est tenue au Palais du gouvernement. La réunion a été consacrée au suivi de la mise en œuvre des procédures légales relatives au règlement définitif du dossier des biens immobiliers confisqués par des décisions définitives de justice dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption.